Ici, on est en train de remplir un joint de dilatation. On va mettre un produit flexible. Mais à cause que la craque est grosse, ça va prendre beaucoup de stock. On met un boudin avant. C'est en forme, sous forme d'un boudin. C'est de la mousse sous forme d'un boudin. On le fait rentrer juste un petit peu. C'est comme ça pour qu'on économise un petit peu sur le produit. On va continuer comme ça sur tous les joints. On va les remplir à ça, c'est un boudin. On appelle ça un boudin en forme. On va continuer. On va remplir ça, puis on va mettre un silicone après.